La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu, en tout ce qu'il nous a dit et révélé, et que la Sainte Église nous propose à croire. La foi de la Vierge Marie fut supérieure à celle de tous les patriarches, les prophètes, les apôtres et tous les saints. Dieu eut une complaisance particulière à infuser cette magnifique vertu en sa très sainte mère. Marie croit toujours avec simplicité, avec confiance, sans hésitation ni doute à la parole de Dieu. Ceci apparaît très clairement lors de l'Annonciation, par exemple. En effet, l'ange de l'Annonciation met en réalité la foi de Marie à l'épreuve. Il lui annonce de la part de Dieu qu'elle va concevoir et donner naissance à un fils. Mais elle étant vierge, pourrait-elle être une mère? Naturellement, cela est impossible. Cependant, Marie ne doute pas. Elle n'hésite pas. Dès qu'elle connaît la volonté de Dieu, elle croit en lui et accepte tout ce que l'ange lui dit, ne conditionnant pas son consentement à l'octroi d'un signe visible. Croyant en la possibilité de l'accomplissement de l'annonce, elle n'interroge le messager divin que sur les modalités de sa réalisation pour mieux accomplir la volonté de Dieu, à laquelle il entend adhérer et se confier en toute disponibilité. Tout ceci nous permet d'apprécier la grandeur de la foi en Marie, surtout si on la compare à la tendance à demander avec insistance, hier comme aujourd'hui, des signes sensibles pour croire. L'assentiment de la Vierge à la volonté divine n'est au contraire motivé que par son amour pour Dieu. Réflexion sur notre foi personnelle. La tentation est en effet de plus en plus grande aujourd'hui d'exiger des preuves avant de croire en les paroles et les plans de Dieu à notre égard, surtout lorsque tout porte au désespoir, beaucoup plus encore dans le contexte de la crise actuelle qui alimente en nous des sentiments de crainte, de suspicion et de terreur. Le Christ nous dit que si nous avions la foi, nous soulèverions des montagnes et que rien ne serait impossible. En Marie, cette foi a accompli le miracle des miracles. La foi de Marie a attiré de son sein le plus pur, le Fils de Dieu. Il en sera de même pour nous aussi, si nous croyons en Dieu, si nous croyons qu'il est tout-puissant et qu'il est le maître du temps et de l'histoire. Comme nous le dit le catéchisme de l'Église, tout est entre les mains de Dieu.